tutto si mortussa ne facile te costò, mamma facile se tremo. Il porte tu un gran sombrero, il avete un pistoletto, avec le sabre de couteau, che sa donne, qua dans le ton. En général du Mexique, procès de las castañetas, c'était vraiment, c'était phonétique fantastique, c'était un as, un très grand as. Sa moustache était comme ça, ses épaulettes comme ça, son sombrero grand comme ça, ma lune était grand comme ça. Ma, c'était le plus grand général du Mexique. Rosa de las castagnettas. Ma il faut faire bien attention avec sa révolution qui est pour un oui, qui est pour un non. On prend une balle dans le citron. Sa mort était pour la nation une terrible perdition. Et c'était pour cette raison qu'il sortait pas de sa maison. Grand général du Mexique, français de las castagnetas, c'était vraiment, c'était un équipe fantastique, c'était un as, un très grand as. Il avait des médailles, tout ça, un masque à gaz, comme ça, dos arquebus, non pas dos, tres arquebus, comme ça. Lui tout seul qui était grand comme ça. Non pas comme ça, hein? Comme ça. Ma, c'était le plus grand général du Mexique. Procès de las castagnettas. Pourtant on eut besoin de lui. On vint le cercer une nuit. Que cette fois dans le pays, ça sentait un peu le froussé. Mon général hardi, hardi, debout là-dedans. Qu'on lui a dit. Mais il en fut tellement surpris qu'il en tomba mort dans son lit. Oh, 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 oh. C'était les plus grands générales du Mexique. Rossi de las Castas. Niente! Merci! 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 Merci!